Je suis heureux de vous informer à travers donc ce compte rendu que je suis en train de faire qu'aujourd'hui nous pouvons parler d'une unité de la presse, parce que vous avez remarqué que toutes les entités, toutes les sensibilités se trouvant sur l'espace médiatique guinéen étaient représentées. Et les discussions étaient vraiment autour des questions, et comme je le disais, existentielles. Donc il y avait beaucoup de sujets à l'ordre du jour qui ont été évoqués. Et vous savez d'ailleurs la problématique de ces médias qui sont aujourd'hui tantôt brouillés d'un côté, de l'autre côté retirés sous les bouquets des distributeurs de télévision. Donc à l'issue des débats de ce jour, et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au mois saint de Ramadan, un jour férié de plus, mais cela n'a pas empêché ses représentants à bien vouloir répondre à l'appel de la presse, parce que c'est un appel de la presse. Donc nous avons mené beaucoup de discussions. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de pans de la situation qui reste à étayer, certainement dans les jours à venir. C'est pourquoi, à l'unanimité, les uns et les autres ont demandé, avec toutes les questions qui ont été évoquées, que chacun, en ce qui le concerne, puisse retourner à sa base, à l'effet justement de faire porter les contours et les pourtours, mais aussi la portée de ce qui a été donné ici comme message, afin qu'une autre réunion soit convoquée à l'effet justement de prendre les décisions qui s'imposent pour le moment. Donc vous comprendrez que je ne pourrai pas rentrer dans le détail en ce qui concerne ce qui a été dit, puisque tout n'a pas été encore arrêté. Les gens doivent retourner à la base, et dans deux jours, si Dieu le veut bien, nous allons faire un retour pour que justement une déclaration commune, et comme je vous ai dit, l'information principale, ça doit être aujourd'hui qu'il y a une unité d'action dans la presse. Il n'y a plus à dire tel c'est l'audiovisuel, tel c'est la presse en ligne, ou tel c'est la presse écrite, ou c'est l'organisation de journalistes, ou c'est le syndicat. C'est qu'il y a une unité d'action, nous sommes réunis pour un même combat, et ce combat, c'est de permettre à la presse de vivre décemment, et surtout dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi des règles qui régissent le fonctionnement de notre métier en République de Guinée.